L'Atlético de Madrid, là aussi, c'est à 21h. Et le vélo, pour finir, l'Allemand Schwachmann, toujours leader de Paris-Nice. Hier, c'est l'Espagnol Ivan Garcia Cortina qui s'est imposé au sprint devant Peter Sagan à la Châtre. Au programme aujourd'hui, un contre-la-montre individuel de 15 km autour de Saint-Amand-Montrond. Bonne journée à tous. RGFM Municipal 2020. RGFM, l'invité du jour, Municipal 2020. Et notre tour d'horizon des têtes de liste à Montluçon se poursuit ce matin. Nous recevons les représentants de la liste pour Montluçon, Changeons la donne. La tête de liste, Frédéric Cotte, bonjour. Bonjour. Également Magali Ferreira-Neves, bonjour. Bonjour. Huitième sur la liste et puis Pierre Mottet, troisième sur cette liste, bonjour. Bonjour. Merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation pour présenter donc votre projet pour Montluçon, Changeons la donne. Vous le dites dans votre document de campagne, notamment vous êtes, vous vous revendiquez un petit peu comme la seule liste d'union de la gauche dès le premier tour, Frédéric Cotte. Oui, nous ne sommes pas la seule liste de gauche, ça vous aura pas échappé, mais nous sommes la seule liste qui réunit toutes les composantes de la gauche dans ses composantes à la fois politiques et sociologiques, militantes. Il y a des socialistes, il y a des communistes avec le soutien du Parti communiste français, des écologistes avec le soutien d'Europe Écologie Les Verts, il y a des insoumis, il y a des membres de Génération avec le soutien de ce parti politique, il y a des syndicalistes, il y a des gens engagés dans la vie montluçonnaise, une liste qui ressemble à Montluçon avec à la fois sa douceur de vivre et ses aspérités. La seule à pouvoir obtenir l'alternance également, parce que vous le dites, les montluçonnais n'en peuvent plus, c'est en titre de votre document de campagne. Oui, les montluçonnais veulent le changement et... Les observateurs et nous-mêmes, d'ailleurs, considérons que nous sommes les seuls à pouvoir incarner l'alternance à gauche, avec deux obstacles à franchir. Hein, je voudrais dire, le médecin que je suis voudrait dire d'emblée, d'entrée au Montluçonnais qu'il n'est pas dangereux d'aller dans les bureaux de vote. On n'attrapera pas le coronavirus en allant voter. Donc aucun danger de ce côté-là, pas plus que d'aller faire ses courses ou d'aller chez le médecin. Mmh. Donc le danger, c'est l'abstention et j'appelle les Montluçonnais à se mobiliser dès dimanche. Et puis le second danger, c'est l'éparpillement des voix. Et je crois que le maire sortant qui est en difficulté, chacun le sait, vu son bilan, compte beaucoup sur l'éparpillement des voix pour pouvoir se tirer d'affaire. Magali Ferreira-Neves, nous explique un petit peu ce qui vous a poussé finalement à rejoindre cette liste-là. Allez-y, prenez le micro, il n'y a pas de problème. Merci. Si vous m'aviez dit que je m'engagerais politiquement il y a quelques années, je vous aurais certainement rayonné. Mais c'est vrai que, comme syndicaliste, effectivement, toutes les luttes que je mène au quotidien, je me rends compte que finalement, sans vraiment s'engager politiquement, on ne traite pas forcément des problèmes de fond autant que nous le désirerions. Pour autant, le syndicalisme est super important. Donc effectivement, lorsqu'on m'a démarché pour faire partie de cette liste, hein, comme l'a dit Frédéric, qui est composée de beaucoup de personnalités différentes et de tout horizon, c'était une évidence. Pour moi, c'était une évidence. La santé était effectivement au cœur du programme. Et en tant que soignante, comme notre hôpital est malade, il va falloir penser à le guérir. Et je compte bien m'y atteler. On va en parler. Pierre Mottet, vous étiez donc élu d'opposition, conseiller municipal sortant. Tous les deux d'ailleurs sur des listes différentes en 2014. Ce rassemblement-là, il était c'est du concret pour vous. Vu la situation de Montluçon, vu la crise de défiance qui existe, il y a une nécessité d'alternance, il y avait un devoir de se rassembler et chacun a pris ses responsabilités. Et aujourd'hui, on a une belle liste de la gauche unie qui porte une vraie alternative pour Montluçon. Et on est un peu la liste anti-système, hein. On est la liste qui demain veut vraiment changer les choses à Montluçon et veut renverser la table. Et c'est ce qu'on compte bien faire dans les jours qui viennent. Alors, l'anti-système, c'est important. Parce que à quelques jours de cette élection, on se rend compte que beaucoup d'élus qui ont siégé se découvrent d'opposition et contre le maire sortant, alors que nombre d'entre eux ont accompagné, soit par leur silence souvent assourdissant, soit par leur vote positif, un certain nombre de mesures régressives pour notre ville. Donc nous sommes la liste des gens qui se sont battus pour Montluçon et qui voulons transformer ces combats en énergie
énergie positive et en solution pour notre ville. Alors venons-en à ce que vous proposez. On le fait avec chaque invité le matin, là, cette semaine. On a retenu notamment une mesure, la mesure qui détonne, on va l'appeler comme ça, qui peut-être sort un petit peu de l'ordinaire notamment, c'est la gratuité des transports en commun. Alors expliquez-nous comment on met ça en place et pourquoi finalement, quel est le but sur le fond ? Qui détonne peut-être à Montluçon, mais... Ça existe dans d'autres villes. Des dizaines et des dizaines de villes de toute taille, des métropoles aux villes moyennes comme les nôtres et aux petites villes, ont mis en place ce genre de dispositif, à la fois pour des raisons sociales, mais essentiellement pour des raisons écologiques. Je crois que l'urgence environnementale fait qu'il est nécessaire de développer notre système de transport en commun, et la gratuité est un des outils à utiliser, pas seulement la gratuité, parce qu'il faut remettre à niveau le réseau qui a été progressivement détruit durant ce mandat. Je rappelle la réduction du nombre de lignes. Nous avons 50% en plus de trajets en bus qui nécessitent un changement, et la durée moyenne du trajet a été augmentée de 50%, ce qui fait que le réseau n'est plus attractif du tout. Donc il faut le remettre à niveau d'une part, et l'encourager, le développer et inciter les Montluçonnais à l'utiliser avec la gratuité, qui est une mesure importante également pour la redynamisation des centres-villes. Mmh. Hein, on regarde un certain nombre d'études économiques qui ont été mises en place. Le commerce de centre-ville n'a eu qu'à se louer dans les villes où ça a été réalisé de la gratuité des transports en commun, puisque leur activité a été boostée. Et je rappelle que nous avons été les seuls à nous bagarrer et à voter contre la déstructuration du réseau de transport en commun. Justement, vous parliez du centre-ville, on reste dans le terme de la gratuité. Sur le stationnement également, c'est ce que vous proposez, une gratuité du stationnement en centre-ville? Sur le stationnement, il doit y avoir une réflexion qui doit se mener avec les commerçants, parce qu'il y a un moment, à Montluçon, il va falloir aussi qu'on apprenne ce que c'est la concertation, qu'on apprenne à discuter avec les différents acteurs, ce qui n'était visiblement pas la meilleure qualité des gens qui sont aujourd'hui en place. Et effectivement, il y a quand on voit des zones commerciales qui ont fleuri avec du parking gratuit, et qu'à côté notre commerce de centre-ville souffre grandement. Et quand je parle de centre-ville, quand on parle de centre-ville, on parle du boulevard de Courtais et de l'avenue de la République, bien sûr. Eh bien, il y a sûrement des dispositifs à mettre en place, comme les disques, comme... Mais tout ça, c'est des choses à réfléchir ensemble. Mais c'est évident qu'il y a quelque chose à faire sur le stationnement, et aussi sur nos parkings de centre-ville, avec notamment aujourd'hui le parking Saint-Pierre qui est à côté, qui est quasiment vide, qui est avec une DSP, délégation de services publics, qui nous coûte très cher. Et tout ça, c'est des choses auxquelles il va falloir qu'on réfléchisse très sérieusement. Vous aviez proposé notamment enfin, cette distorsion de concurrence entre le centre-ville où tout est payant et les zones commerciales où tout est gratuit. Je parle du parking, bien entendu. Mmh. Hein, avec, comme le disait Pierre, cette délégation de services publics qui est une gestion privée. Qui vous aviez proposé de le reprendre 000... en régime municipal. Oui, mais ça coûte 100 000 euros. Ça coûte 100 000 euros au budget municipal, avec un service qui est mal rendu. Donc nous voulons le reprendre en régie et accorder un certain nombre d'heures de stationnement gratuit pour dynamiser notre commerce de centre-ville traditionnel. Pas gratuit 24-24, bien entendu, puisque nous voulons éviter les véhicules ventouses. Mais je crois qu'il faut expertiser tout ça avec les commerçants, qui connaissent parfaitement bien les habitudes de leur clientèle. Autre thématique importante que vous connaissez particulièrement, celle de la santé. Vous dites vouloir mettre en place un plan d'urgence santé, et l'on parle notamment de ces fameux centres de santé. Vous en promettez 3 parce qu'il y a urgence, Magali Ferreira-Neves? Alors oui, je connais particulièrement le sujet, Frédéric également, hein, nous sommes soignants. Effectivement, il y a un manque criant de médecins, alors tant au plan national, mais d'autant plus chez nous, il y a une désertification qui est sûre. Donc il y a un centre de santé qui doit voir le jour prochainement. Donc pendant longtemps, la mairie actuelle a freiné des deux pieds, donc il semblerait que tout se débloque, on verra bien. Toujours est-il que nous envisageons et nous ferons en sorte que plusieurs maisons de santé
pas de maison de santé, centre de santé, je vous prie de m'excuser parce que je vois mon ami qui me regarde. Avec des médecins salariés. Ouais, ouais, je suis désolée, avec des médecins salariés, oui. Donc plusieurs centres de santé verront le jour, hein, effectivement, pour absorber tout ce manque de médecins auprès de la population. Ça, c'est une des premières choses. Hein. On avait pensé au Marais, à Bienassi, à Fontbouillant, hein, tous ces endroits où il y a une population assez concentrée, mais également en centre-ville, hein, où il y a beaucoup de gens qui manquent de médecins. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, notre hôpital est malade, hein, donc on s'y attellera également. On réfléchira à comment nous pouvons faire en sorte que notre ville devienne attractive et que donne envie aux médecins de rester, parce que nos spécialités, malheureusement, sont en berne. Donc il y a eu des mauvais choix politiques, hein, par les années précédentes. Hein, on a favorisé largement le privé. Non pas qu'il ne faille pas le privé, mais le public est indispensable, parce qu'il faut aussi que tout le monde puisse avoir accès aux soins, et ce sera une de nos priorités. Un petit mot, très rapidement. 6 000 Montluçonnais sans médecin généraliste, c'est le dossier urgent, ce sera le dossier prioritaire si nous, les Montluçonnais nous font confiance. Un petit mot de la sécurité également, parce que c'est une thématique qui s'est invitée dans ce débat. Vous, notamment, vous militez pour la redensification des zones urbaines abandonnées. Certains proposent des polices municipales, des choses comme ça. Expliquez-nous un petit peu votre plan parce que, et puis votre vision des choses sur l'insécurité aujourd'hui. La police municipale est une mauvaise réponse à un vrai problème. Il faut savoir que la police municipale n'a pas les moyens juridiques de mettre hors d'état de nuire ce qui crée de l'insécurité ou des incivilités. C'est la responsabilité de la police nationale. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé le débat sur France 3 Moulinois, hein, où il y a une police municipale et tous les invités, les différents concurrents étaient d'accord pour mettre en évidence les dysfonctionnements de leur police municipale. Je vais être rapide parce que le temps file. Tant pis, je suis désolé. Je continue. Pour mettre en évidence les dysfonctionnements de leur police municipale et les heurts que ça crée avec la police nationale. Donc pour nous, la sécurité, la lutte pour la tranquillité, c'est remettre du personnel municipal par la création d'une cellule de pacification urbaine sur le terrain, des travailleurs sociaux, des éducateurs, mais également des personnels de l'office HLM et de la ville de Montluçon, chargés de l'entretien, hein, qui se dégrade d'ailleurs, sauf en cette période électorale. Il faudrait qu'on soit tout le temps en élection, la ville serait toujours propre. Hein, mais nous voulons travailler davantage sur l'éducation, la prévention et la dissuasion. La répression, c'est la mission régalienne de la police nationale. Il nous reste 30 secondes, je sais que ça va être trop court, mais vous évoquez également le gel des loyers. Il y a ces formes de gratuité que vous prononcez, mais tout cela a un coût. Comment vous financez tout ça? Pour terminer, en quelques secondes, je suis désolé, mais on est obligé. Choix politique, bon, vous voyez aujourd'hui, il y a eu un contournement, alors en budget investissement, un contournement de Renault Minute à plusieurs millions d'euros. C'est des choix. Nous, on ne fera pas effectivement une politique somptuaire. On n'aura pas le plus grand boulodrome du monde. Enfin, on l'a déjà, mais on ne le refera pas. Après, il y a des choix politiques. Ouvrir des salles de quartier, peut-être que ça a un coût, mais ça n'a pas le même coût qu'un énorme boulodrome. Voilà, ce sont des choix politiques et c'est des choix que nous assumerons. Si nous sommes élus, il n'y aura plus de politique somptuaire à Montluçon, mais il y aura une politique au service des gens et c'est notre engagement pour faire enfin une ville pour tous. Frédéric Cotte, Pierre Mottet, Magali Ferreira-Neves, merci d'avoir été avec nous. Réunion publique pour demain Montluçon. À 18h30, salle Salicis, excusez-moi. Nous vous invitons, demain, 18h30, nous invitons tous les Montluçonnais. Salle Salicis, pour Montluçon, changeons la donne. Merci, 7h56. Merci à vous. Bah écoute, on verra, mais pour le moment c'est bien parti. Il adore le jazz.